qui peut être destiné à une frange dans une entreprise. Le chef d'entreprise, c'est à lui de décider s'il achète ou il souscrit pour une catégorie bien précise, voilà, pour tous les employés. Libre à lui, il a le droit de choisir, d'inclure les compétences qu'il veut bien assurer, parce que c'est un produit, entre autres, c'est un produit de rétention de compétences. Mis à part l'aspect social, la couverture santé, etc., l'aspect noble, ça on le connaît tous, mais il y a aussi la dimension produit, avantage pour retenir les compétences et optimiser les frais de gestion. Donc, on peut trouver de toutes les couleurs, tous les employés, ou voilà, une partie des employés, ça dépend de la politique sociale de l'entreprise et du chef. Non, il n'y a pas d'obligation, non, annuelle, renouvelable, et on peut résilier comme tout contrat d'assurance avant un délai de résiliation. Les prix diffèrent selon les modules choisis, c'est un produit fortement modulable, et selon l'individu lui-même et le profil, l'âge, ça diffère. Quelqu'un qui a 30 ans ne va pas avoir le coût d'assurance comme quelqu'un qui a 60 ans. Ça serait normal parce qu'on suit une logique, une matrice. Mais c'est un produit modulable et personnalisable selon le profil, selon le module qu'on choisit.